Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on est à Lillet, chez Usinage Lillet avec les propriétaires. Ça va bien? Bonjour José. Très bien, bonjour Monsieur Généreux. José Ménard et Jean-Guy Saint-Pierre. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Alors on est dans votre bébé là, ici. Là. Oui, oui, vous avez oui, créé oui. Usinage Lillet, ça fait plusieurs années. Ça a été parti ce projet-là en 1994. À l'époque ça s'appelait l'atelier d'usinage enregistré. OK. Puis c'était un projet qui avait parti en parallèle avec ma job. J'étais machiniste-outilleur, puis je rêvais depuis ma tendre enfance d'être à mon compte. José, tu as participé à la création de l'entreprise. Oui, oui c'est donc, ça. Donc, tu as participé dès le départ. Dès le départ. Fait que là, en 99, on a pris une entente, moi et José, on a dit, bon, ben là, on passe ça à temps plein. Okay. Puis là, on s'est emmené ici. On a acheté le terrain, puis là, on a construit la première bâtisse. Aujourd'hui, on est rendu en 2017, vous avez combien d'employés? 23 employés. 23 employés à temps plein qui travaillent dans l'entreprise. Oui, sur deux quarts de travail. Ça veut dire que vous maximisez l'utilisation de vos outils. Sur une machine, on fait 80 heures semaine, ça va plus vite, on est capable de livrer plus rapidement. C'est essentiel, il faut qu'on fasse ça. On offre des services exclusivement de sous-traitance, en usinage. On a le service d'outillage complexe, d'outillage, c'est tout sur mesure. Puis du moule d'acier, aussi des services de développement industriel sur mesure. En fin de compte, on se spécialise, nous, en sous-traitance. Donc, on n'a pas de produits à nous. On est des partenaires. Moi, je me plais à dire qu'on est le partenaire de nos clients. On est des outilleurs au départ. Donc, on fait des dies, poinçons et matrices. On fait des machines d'inspection, des machines pour faire du montage. On fait des équipements spécialisés. On fait des moules et modèles de fonderie. Puis, on a aussi le côté usinage de pièces unitaires là, de précision. Vous êtes identifié comme étant la relève. Tu es la fille des propriétaires. Exactement. C'est ça. Puis, vous autres, vous êtes des futurs potentiels actionnaires. Si j'ai bien compris. Donc, vous êtes dans l'entreprise depuis longtemps? Depuis un mois. Hein? C'est bon? 12 ans. 12 ans, oui. Puis toi, Isabelle, tu viens de revenir dans la région. C'est l'exemple parfait du retour des jeunes dans la région. Pas beau de ça. Puis en plus, c'est pour prendre la relève éventuelle d'entreprise. Exactement. Avec une belle équipe, on se complète bien parce qu'on a chacun nos forces aussi. Oui. Jasmin est plus dans l'automatisation, okay. Le développement de machinerie, chargé de projet. Puis Simon, ben, ça fait... Deux ans qu'il est là. Ben oui, c'est ça. Donc, n'oubliez pas, il y a des emplois disponibles chez Usinage Lillet. Je n'y ouvre pas pour appliquer.